préoccupation au-delà de cette préoccupation. Comme vous le savez, le maire Abdoulaye Baldé, mon cousin, est un cousin de sa mère. Chez nous, à Cambous, et chez nous, en Casamance, la famille est plus importante. Il me fallait, dans cette période de difficulté pour lui, dans cette épreuve, lui témoigner mon soutien. C'était important ma présence encore pour nous, pour la famille, c'était important pour la famille de Cambous que je sois là, toute la famille. Beaucoup de que je ne maîtrise pas les données dans ce, sur ces éventuelles instrumentalisations, mais ce que je peux dire, c'est que on est dans un pays, vous êtes dans le Sénégal, dans le régime Macky Sall. Il n'y a pas eu autant de sentiments, en tout cas pour Bouduka, pour plusieurs personnes, le sentiment d'un état de droit. Nous sommes un sentiment de justice. Puisque la justice est d'abord un ressenti. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Est-ce que nous sommes dans un pays? Le président de la République, avant d'être élu, c'était une demande sociale. Une demande sociale de pouvoir comment dirais-je, mettre tous les Sénégalais au même pied d'égalité. Tous les Sénégalais, y compris les Casamance, qui sont des Sénégalais à part entière. Donc ils sont soumis à la loi, ils sont soumis à la justice de ce pays, à une justice indépendante avec des Sénégalais, des Casamassais, des magistrats qui sont indépendants et qui sont tenus de dire la loi. Et donc c'est important, et je voudrais seulement dire à tous les Casamassais un appel au calme et à la sérénité. Nous sommes dans un pays et nous avons à la tête de ce pays un homme de justice. C'est important parce que nous qui sommes ses collaborateurs, nous en savons quelque chose. Dans son projet de société, il avait annoncé aujourd'hui se traduit en acte. Puisque vous avez vu que avant sa venue, il y avait pas mal de sentiments d'exclusion. Comme si le pays appartenait à un certain clan, à un certain clan. Et aujourd'hui, tout cela a disparu. Vous aviez vu le comportement des autorités proches de l'ancien régime, au Azigenjo, au Casamance, partout, au Sénégal. Ce sentiment d'impunité n'existe plus. Bouduka, tel ministre, tel premier ministre, s'ils ont fait la loi, ils seront punis par la loi. Par la loi. C'est très important. Et c'est cela qu'il faut garder, il faut rester, et il faut regarder et la Casamance doit d'abord, les égards doivent d'abord regarder cela, avant d'avoir des considérations, d'avoir un esprit de défense. On n'a pas sûr, on ne règle pas grand chose, et que nous sommes dans un pays, nous sommes dans une région meurtrie depuis 30 ans, nous devons garder la sérénité pour aller dans